Alors, qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on en est? Ok, bah ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Faut juste que je trouve encore des. Alors, j'ai 2 petites secondes. Toc, voilà. Toc, voilà. Et il faut que j'arrive à lire le chat. Hop. Oups. Est-ce que j'arrive? Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Hop. Vas-y, on va y arriver. Ok. Bah, je pense que ça va le faire. J'ai pas d'image perdue, j'ai rien du tout. Est-ce que les gens m'entendent? L'audio de bureau, ça devrait aller. Augmenter un tout petit peu l'audio. Bah, je crois qu'on est bon. Je crois. À part cette histoire de chat que je sais toujours pas où foutre. Ah, ça m'emmerde. Attends. Hop, comme ça. Comme ça. Ah, voilà, ça va aller mieux. Ah, j'ai trop de trucs sur mon écran. Ok. Bah, on va y aller comme ça. Ouais, ça y est. Alors, GoldenEye sur 64. Alors avant de vraiment commencer, il faut savoir 2-3 trucs parce que j'ai fait un peu de setup avec la manette pour essayer pour essayer que je puisse jouer parce que c'est pas gagné. Donc je joue sur une manette GameCube raccordée à une Wiimote. Il faut savoir que... Salut The Necrobob. Il faut savoir que la 64 s'émule relativement mal. Du moins, c'est pas la meilleure. Enfin, elle s'émule pas de façon excellente. Du coup, ça peut causer quelques petits soucis. Et c'est une horreur. En fait, si vous jouez à un jeu 64 sans la manette, oh, c'est difficile. Oh là là. Mais donc, du coup. On va commencer. Voilà, donc vous voyez, en fait, voilà, vous voyez le curseur qui fait nimp là. Ça, c'est quand je descends le joystick tout en bas, il monte. C'est pas mal, c'est un bon début. En jeu, ça va très bien. Donc j'ai commencé un fichier, paf. J'ai fait le premier en nageant. Mais du coup, je vais recommencer. Est-ce que je joue? Est-ce que je le fais en 0-0 agent? Quand j'étais plus jeune, je l'ai fait avec mon frère, on l'a fait en 0-0 agent. Est-ce que je le refais en 0-0 agent? Je vais en chier. Hein. Vous allez me voir mourir en poule, ça va être une cata. Bon, vous êtes 1 sur le stream. Alors, quand je dis vous, voilà. 2. Bienvenue. Donc du coup, ouais, je vais essayer de le faire en 0-0 à jour. Au pire, je changerai. Alors, blabla. Alors. Débrief. Ok. Je vais essayer, hein. Je vous promets pas. J'ai dit, hein, je suis pas un power player. On va voir ce que ça donne. Je sens venir l'agonie.
Surtout que tu peux pas config tes touches un peu n'importe comment. Donc le joystick, j'ai plus l'habitude, pour avoir fait des FPS récents, j'ai plus l'habitude de jouer comme ça. Alors bon, au bas, milieu, hop, on lève la tête, on baisse la tête, c'est très bien. Alors je sais que pour certains c'est un jeu du cœur, c'est le cas chez moi aussi. Mais je vous prie de m'excuser si je violente votre jeu. Et putain, la sensibilité de ce truc, c'est horrible. Merci. Voilà, merci. Est-ce que je peux diminuer la sensibilité du joystick? Parce que c'est vraiment la galère, quoi. C'est très très compliqué. Musique et ses fiches. Oh, t'es sérieux? Bon ben, hop. C'est merveilleux. Alors. Donc, du coup. Du coup, c'est compliqué. Oh mon dieu. Ah! Je suis James Bond, je me balade. Oh là là, cette sensibilité de merde. Oh, bon, on va. Niveau infiltration, ça va être compliqué. Hein. Je vous le dis. Oups. Je vous le dis comme je le pense. Niveau infiltration, ça va être très difficile. Tu peux zoomer avec certaines armes, ouais. Mais le PP7 silencieux, pas. Je tire dans le poteau, là. Hop, là. D'ailleurs, le sniper au-dessus, ça va être sympa. Mais j'ai. Mais meurs! Monsieur, il faut mourir. Bon. Voilà, alors, le sniper, c'est. Non. C'est la grande et belle chose de la vie. Mais meurs! Ah mon dieu! C'est affreux. Voilà, hop. Profitez pour recharger. Récupérer l'entièreté des munitions de la planète. Pif. Mais il n'y avait pas. Je l'ai déjà repris. Ok. Ouais, j'aimerais bien pouvoir jouer avec une manette GameCube comme à l'époque parce que c'est dur. Et. Vas-y, rattache ton lacet. Oh, regardez-moi ça. Ah, le mec m'a vu, évidemment. Mais les mecs, ils se posent tranquille. Tout va bien dans leur vie. Voilà, agonise un moment. Bon, ce jeu était une merveille à l'époque, hein. Attention. J'ai passé de nombreuses heures de plaisir à faire les missions et aussi à massacrer mes potes. Et à me faire massacrer par mes potes, pas déconner non plus. Est-ce que quelqu'un se souvient si on peut se baisser? Se mettre à genoux, portel. Vas-y, tire dans l'oreille, il s'en fout. Petit tir d'intimidation, posez vos armes. Au nom de la loi, je vous arrête. Pif, voilà, il est mort. Ah, j'espère qu'il est mort. Balle en pleine tête, le mec qui se relève. Okay. Je ne sais plus comment on se baisse, et c'est très très pénible. Non, là je dézoome. Si je fais B, je recharge. Salut Thunder. Purée. Ah non, je l'avais. Allez, vas-y, vas-y. Arrête de gesticuler. On est dans un vieux jeu, on peut tricher. Voilà. Viser plus le stick bas. Alors écoute, non. C'est pas ça. Je joue sur une manette GameCube. Hein, donc, Ça va bien, Tandar, merci, et toi? Oups. Il y a encore un peu lit là.
Là, en facile, il y a un gilet pare-balles. Je suis déçu. Là, je vais me faire mes maravés. Alors, premier passage difficile du jeu. Z plus c'est bas. Z, c'était pour tirer. Donc, je zoome et le C bas, ça fait ça. Mais c'est peut-être parce que j'ai configuré les... Attendez. Ouais, je pense que sur une manette PS3, la maniabilité doit être tellement mieux. Alors, si je reprends le truc... Non, parce que regardez, la croix multidirectionnelle, c'est look, et les C, c'est look aussi. Donc, en fait, ce sera donc un mystère insoluble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je vais garder le sniper. Ouais, mais je sais bien, c'est cette touche-là. Mais regarde, si je zoome et que je fais en bas avec les trucs, ça dézoome. Donc peut-être qu'en fait, sur le sniper, ça zoome et dézoome. On va essayer une autre arme. Pif. Voilà, paf. Ah oui, donc en fait, sur le sniper, ça zoome et dézoome, mais sur les autres, tu te mets en bas. Et du coup, si je rezoome avec le sniper, je reste en bas. Oh, ça va être compliqué. Ouais, non, c'est juste, ça marche. Mais le sniper, en fait, de base, il zoome et dézoome avant de se baisser. Ça va être compliqué. Bon, mais... on va y aller comme ça. Tac, tac. On passe devant le camion. Alors là, ça va être la première difficulté du niveau. Donc là, on est dans le premier level. Et il faut éviter que le mec, il aille sonner l'alarme. Autant dire que c'est pas gagné. Bon, je suis à genoux, je devrais avoir plus de stabilité. Je devrais. Vas-y, vas-y le camion. Passe devant. Ah oui, c'est beaucoup plus stable. Je sais pas viser non plus. Non, monsieur! Décède de décès. Bon, j'ai déjà évité une catastrophe. Bon, le mec, là, il est posé, tranquille. Ah, mon Dieu, c'est... Vas-y. Paf, voilà. Mais non! Mais pourquoi? Personne n'a un peu. Si jamais vous étiez pas là tout au début, je suis en double zéro, hein, donc le niveau de difficulté le maximum. Pas que vous vous dites que je suis nul. Je prétends pas être bon, mais que j'essaie de trouver des excuses avant de me faire lâcher. Alors après, quand tu débloques le... Parce qu'on l'avait fait avec mon frère, on avait débloqué tous les bonus. Un truc vraiment horrible. Il y avait une mission où il fallait finir dans un certain temps dans le mode de difficulté le plus difficile. Enfin bref, vraiment une plaie. Tu pouvais faire le sniper one shot avec... En mixant le sniper et le golden gun. Et ça, c'était beau. Bon, là, il y a des margoulins. Oups, c'est pas... C'est pas... Voilà, quand on est habitué à certaines touches, c'est difficile de changer. Alors, je vais me faire défoncer. Mais monsieur, pourquoi? Et il en a mis un gus là. Ah oui, et puis aussi réussir à comprendre les énigmes. Alors j'ai des souvenirs de trucs, mais je suis pas sûr d'arriver à tout faire. Alors blatch, voilà. Euh,
Ah, sensibilité, démon. Alors, je zoome, je me baisse, je dézoome, je change d'arme. Ça va être compliqué. Bon, au moins ça bouge un peu moins. Allez, hop. Oh, ce headshot. La vitesse du serpent. Ah mais attends, ah non, c'est chaud, maximum du zoom. Ah, monsieur. Voilà. Ça va mieux quand même quand on est à genoux, hein, que ça bouge moins. Il n'y a pas un gilet pare-balles non plus. Maha. Alors quand vous jouiez étant plus jeune, vous étiez qui? Team Oddjob ou Team Joe? Jave. Voilà, hémorragie au genou. Genre buter tous les mecs sur le... Bah écoute, il y a pas de problème. Et mon mimi, j'y arrive. Tu peux avoir fini le jeu, c'est à ça que ça sert les simulations. Et les remakes HD, etc. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pour nous permettre de retrouver les plaisirs enfuis au fond de nous. Ou alors à ceux qui ne l'auraient pas fait, de découvrir des jeux qui, ma foi, étaient à l'époque excellents. Et le sont toujours. Hein, bon, vous remarquerez cette merveilleuse... C'est... Mon dieu, ce ciel dégueulasse et ces montagnes immondes. Mais bref, en même temps, voilà. Pour l'époque, ça a claqué bien. Alors, les munitions, ok. Faut que je détruise les alarmes aussi. Alors, hop, j'en ai une là. Au revoir. C'est quoi cette alarme de sauvage? Là, c'est la fin du niveau. Ah oui, oui, ça, oui, effectivement. Mais on aurait tous fait pareil, je pense. Enfin, ne comprenant pas l'anglais, je pense qu'on aurait, aussi revendu le jeu, ou on s'en serait débarrassé ou autre. Donc, alors, là, il n'y a personne. Yaha. Je sens que là, ça va commencer à devenir sympa. C'est vrai que sur la Nintendo 64, on avait droit à des brouillards dégueulasses. Ça, c'est vrai. Bah, c'est des brouillards... À l'époque, on se disait, ouais, c'est normal, les limitations de la console. Et puis, on était quand même bluffés, hein. La Nintendo 64, c'était pas n'importe quelle console. Non plus. Alors... Oui, bah ça, forcément... Il est venu le monsieur ou il a décidé de rester à sa caisse? Alors quand t'as des échecs de mission parce que t'as un objectif que t'as pas vu, que t'as pas fait, c'est tellement frustrant. Surtout que tu dois te retaper tout le truc. Alors en agent 00, j'annonce que je vais prendre mon temps, mais j'ai pas envie de refaire des niveaux. Allez, vas-y, lui il a des burnes en béton. Je fais de l'intimidation là. Pendant ce temps-là, le mec sur la gauche, il est hyper zen. Hein. Il y a des tirs avec ses potes. Il entend des cris d'agonie, mais non, il est... La première fois que tu fais le jeu, de toute façon...
tu peux pas tout connaître du jeu, c'est évident. Alors moi, il faut savoir que je suis un explorateur. C'est-à-dire que j'aime bien passer du temps à me paumer dans les jeux et explorer tout ce qui a été fait. Donc forcément, tu découvres plein de trucs. Si vous me voyez jouer à Morrowind, à Skyrim, à un open world, la mission principale, je la zappe et je vais me balader dans le monde. Mais tout le temps. Donc du coup, forcément, j'ai découvert plein de choses. Alors, tir fatal dans l'épaule. C'était des rats. C'est possible, effectivement. C'est possible que si tu ne regardes pas les ennemis, ils ne t'attaquent pas. Il était en agent 00 dans le speedrun. J'imagine qu'il y a un speedrun. Mais vas-y, quoi! Le mec, il est à l'autre bout du tunnel. Eh, il y a une ombre là-bas. Vite, tirons-lui dessus. Allez, on va lui tirer dans la main. Ah merde. Bon. Ouais, celui avec la fuite dans l'avion. Mais celui avec l'avion, c'est parce qu'il y a un temps, c'est pour ça. Bonjour. Mais ah! Tir fatal dans le genou. Oula, ça commence à sentir un peu grave. Alors. Hop. Bon, je crois qu'on peut laisser tomber un petit peu là. La discrétion. Oui, pas de soucis. Si tu rappelles pas un truc, c'est pas grave. Mais vas-y! Putain, je me trompe. J'ai les réflexes des jeux modernes où tu tires avec la gâchette. Enfin, tu tires avec avec LR. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que une seule fois dans tous les James Bond, il se dit à un moment où j'aurais pas dû faire ça? Bah là oui. Vous êtes entretués? Non? C'est dommage. Allez, venez. Je sais que vous voulez. Oh mais vache. Ah vas-y, c'est maintenant que tu viens. Aïe. Ah putain. Non mais tir mortel dans le genou, nouveau film d'horreur. Dans la main aussi, ça doit faire mal. Mais après... Bah après, comme il voit pas d'où ça vient, c'est sans doute un moustique. Attends, je me repositionne, on sait jamais. Mais vas-y! Bon, je pense qu'il y a des speedruns de toutes les difficultés, hein. Il y a des speedruns pour tout, de toute façon. Oh, comme il a senti ma présence! Ces soldats russes ont des sixième sens. Palais. Oui, ça c'est quand tu joues à Skyrim. Un jour, J'étais garde pour l'armée russe, mais on m'a tiré dans le genou. Et ils ont plein de points faibles, ces gens-là. Ils ont les genoux, ils ont les poignets. Ils ont... Alors, est-ce que j'en ai fini avec ces coups-là ? Heureusement que c'est un peu des Stormtroopers, ce mec. Ils en mettent partout, hein. Vas-y, décède bien. Je suis vraiment mal barré. Puis ici, là, je me souviens bien, il y a 35 mecs. Pff. Alors, on va changer d'arme. Non, la subtilité, c'est superflu, là. Bonjour.
Ah, j'ai pas l'habitude de pas pouvoir straffer avec le joystick. Oh, il y en a encore un, je crois. Ah non. Alors, là, qu'est-ce que je dois faire déjà? Oh. Ça pue. Alors, ok. Donc. Donc, nous sommes d'accord, j'ai réussi l'objectif B et C. J'ai passé les trucs là. Non mais. Ah oui, là. Donc B et C, très bien. Neutraliser toutes les alarmes. Purée. Bon, normalement, il devrait plus y avoir personne. J'en ai neutralisé 2. Voilà, parfait. Ouais, le mobilier explosif, ouais. Et de la poudre dans les... dans les pieds des tables et des trucs comme ça. Vas-y, bonne idée. Merci. Voilà. Hop là. Ça va bien, Chacha. Bon, mission 1 réussie. Super, plus que 170. Ah, oh, c'est beau de voir ça. Hop, merde, j'ai pas lu les objets. Alors, ne pas tuer scientifique et les faire péter les machins. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais ça sert à rien la corde, c'est James Bond, il a pas besoin de corde. Alors, gagner l'entrée du laboratoire, je devrais y aller. Contacter l'agent double, ok, rendez-vous avec 006, détruisez tous les... ok. Minimise, ok. Bon, on soit fort en fait. Alors là, la dernière fois que je suis passé, je pense que j'ai bien mis 20 minutes à essayer de tirer dans la tête du gars. Pic! Parce qu'évidemment, ils ont un béret blindé. Ça ne rigole pas. Et les autres sont hyper au courant qu'en fait, leur pote est décédé. Hein. Parce que eux ils vont pisser, ils ont la calache à la main. J'ai jamais mis faire. Et James Bond est sans doute l'homme qui recharge le plus vite au monde. Là il y a les cadavres. Je pense que ça devait être la pause hebdomadaire des gardes, ils sont tous allés pisser et chier en même temps. Je
j'ai pris toutes les armes. Ouais, je crois. Alors, continuons en discrétion totale. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire non plus. Bon. Allez, salut! Revenir. Mais j'arrive. Ah oui, ça doit faire mal, oui. Voilà, là il va agoniser pendant 10 000 ans. T'as mal, hein. Non mais c'est normal, c'est pas... Ça arrive tout le temps, des tirs d'AK-47 dans la base. Un mec qui lâche son arme, il est un peu endormi, etc. Par contre, dès que c'est toi qui l'utilise, il y a un son différent. Oh la vache! Donc du coup, ils sont courants. Voilà. Les cartons explosifs aussi, une chose merveilleuse et formidable. Alors, visiblement il n'y a plus de garde. Là il me faut le pass. Voilà, là il y a un mec derrière moi. T'as mal hein. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'au moins dans ce jeu là il y avait des animations quand tu leur tirais dans certaines parties. Tu vois que très clairement les parties parce qu'ils sont découpés comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment cool. Non, je pense que ce jeu a révolutionné pas mal de trucs à l'époque où il est sorti. Et du coup, surtout sur console, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de FPS sur console. Sur PC, il y avait... un tas de jeux très très bien, hein, Doom, Wolfenstein, etc. Mais alors la petite roulade du garde. Ah oh, mais ils étaient combien là-dedans? Ah, si je trouve pas, je vais pas mal, je suis mort. Hein. Ouais, il y avait les médailles of honor, ouais. C'est la même époque, les médailles of honor. Mais qu'est-ce que vous foutez, monsieur? Vas-y, quoi. Non, alors les scientifiques qui restent au milieu du jeu de qui, c'est pas bien. Tout bon scientifique russe devrait savoir se mettre à l'abri. Oula. Heureusement qu'il y a la visée automatique. Hein. Mais c'est exactement ça. Ah, je vais pleurer ma race. Wow, 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 wow. Mais... Et surtout qu'il y a la technologie du clonage chez les Russes. Ne pas sous-estimer ces technologies merveilleuses. Alors, est-ce que je dois faire un truc avec ça? Non. Là, je crois qu'il y a un gilet. Chiotte. Tire-toi, civil, innocente victime d'une guerre qui n'est pas la tienne.
Ça sent le coup fourré. Ah, tirez pas sur les cattels. C'est dommage. Ah, ça va. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est quoi le mec là, il est en train de faire caca. Bon. J'ai au moins aussi une partie. Allez, c'est reparti. Mais ça doit être ça, c'est pour ça qu'ils ont tous la même tronche un peu bizarre. Bon, cette fois-ci, on va essayer de bien jouer. J'ai eu mal à mon ego quand j'ai dit ça. Alors, première balle dans le béret. Oh non, premier coup. Alors, hop, voilà. Bah, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je vais bien charger. Oh là là, comme c'est mauvais. C'est tout. Oui, il faut faire le jeu en niveau 0-0 pour les niveaux bonus, oui. Mais franchement, je pense qu'avec une... Enfin, je veux pas faire des excuses de sac, hein, attention. Je pense que j'ai plus le niveau de ma jeunesse. Mais avec une manette potable, le jeu il doit être très très agréable. Puis bon, il y a des réflexes à retrouver. Il y a 2-3 trucs, mais... Il n'y a pas un con, là. J'ai une manette Wii U Pro que je pense que je devrais utiliser. Ouais, je vais me faire boudonner par machin. Mais t'as des balles limitées, monsieur. Seulement comme elle se déconnecte tout le temps et que j'arrive pas à avoir une connexion stable avec le truc. Bah, du coup, je peux pas jouer avec. Mais ça va, je commence à reprendre un peu les réflexes. Parce que utiliser le joystick sur une petite manette, c'est pas facile. Sur une manette de GameCube, c'est pas easy. Mais je pense que il y a moyen de moyenner. Les niveaux bonus, ils sont cool, hein. Ils sont vraiment cool. Avec le baron samedi et puis puis je sais qu'il y en a un autre mais je sais plus que c'est. Oui, la visée automatique est moins présente. Ou du moins elle met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Non, le jeu au niveau de la difficulté est vraiment bien fait. C'est-à-dire que... Je suis con. C'est-à-dire que tu peux avoir... Tu peux jouer en agent, t'auras plein de trucs qui seront facilités. Et puis petit à petit, plus tu vas monter le niveau, plus le jeu va devenir dur. Mais dans tous les domaines. Visée automatique moins réactive. Point de vie qui file beaucoup plus vite. Je devrais presque commencer le niveau, je pense. Non, il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, l'autre c'est Joe, c'est juste. Parce que je vais me faire maraver là. On va se mettre là. Hop. Ça me perturbe tellement de pas pouvoir straffer. Enfin, tu peux straffer, mais il faut l'autre joystick. Oui, les niveaux, il y a plus de missions. Enfin, ça. Oups, pardon, monsieur le scientifique. Réflexe. Les missions sont plus complexes. Un GoldenEye, c'est pas un Doom.
Bah alors les gars. Oui, c'est un jeu rare, ouais. Effectivement. Qui ont d'ailleurs fait après Perfect Dark, que j'ai aussi et que je compte aussi faire. Voilà, c'est reparti. Qui est un excellent jeu si vous aimez également les FPS. Mais rare à la base, ils faisaient des bons jeux. Après, ils ont un peu merdouillé le truc. Mais... Je suis en train de voir comment je pourrais essayer de faire, mais j'arrive pas à... J'arrive pas à configurer la manette comme je voudrais. Ça m'emmerde. Ah si, je pourrais faire un truc. Oups. Je sais pas si je vais faire Conker, pourquoi pas. Au final, c'est un jeu rétro, on pourrait le juger. Ouais, effectivement. Mais voilà, les boîtes qui marchent, une petite boîte entre guillemets indépendante qui fonctionne bien. Petite, c'est relatif aussi, hein. Mais c'est racheté, c'est revendu, machin, puis du coup, bah, dans ces rachats, ils perdent parfois du potentiel. Souvent, mais... Ouais, je pourrais vous présenter plein de jeux, mais il y a plein de jeux que je veux faire avant. Enfin, il y a plein de jeux que je veux montrer, je garantis pas que je les fasse en entier, parce qu'il y en a qui sont vraiment hideux. Et très difficiles. Très très difficiles. Parce qu'ils sont mal codés et puis parce que c'est des jeux durs. Globalement, les jeux sur Nintendo étaient, je trouve, plus difficiles que les jeux récents. What? What? Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vouliez lancer une grenade, monsieur. Je vous ai vu. Bon, au moins, ça a fait le ménage. Mais vas-y. Je tire toujours faux. Je suis mauvais. Ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais clairement pas dû faire ça. Ah, vas-y, tire à travers ton pote. Normalement, là, il doit pas me toucher, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux utiliser les bugs quand là, tu te retrouves au corps à corps avec un mec et que son arme est trop grande, il peut plus te toucher, du coup. Utilisation de bug. Bon, Conker, je pourrais le faire avant parce que j'ai pas fait. Qu'est-ce qui a joué à Conker? Est-ce que c'était Benzaï qui a fait des vidéos sur Conker? Je sais plus. J'ai vu quelqu'un y jouer, mais j'ai pas tout regardé.
la phase attente. Pas pressé les mecs. Je sais même pas s'ils ont plus de vie en fait. Hein. Je veux dire, là je lui ai mis 2 balles, il est mort. Ouais, 6 balles, il est mort. Bonjour. Oh, t'es sérieux? C'est possible sur le remake, ouais. Mais si vous voulez jouer à GoldenEye avec des potes, allez. Monsieur le scientifique, faut pas vous mettre devant. Il y a GoldenEye Source qui est pas... Oulala, qui est pas mal. Vous pouvez jouer avec des potes. Je sais pas s'il y a l'émission solo, par contre. Attention, acide. Ah bon. Au revoir, monsieur. Va-t'en. Va-t'en. Ah bon. T'es là, toi. Merci. Bah, il était... Je l'ai pas vu, là, la dernière fois. Ah oui, bon. Ce genre de radar à la con. En même temps, voilà. Ouah, la vache. Mais... Ah, pourquoi j'ai pas de grenade? Ça va être compliqué, là je vous annonce la complexité maxi. Courge futon. Je pensais pas m'en sortir. Très honnêtement, je pensais pas m'en sortir. Ah bon, ok. Non mais ils remettent simplement à jour les graphismes de la campagne solo, ils en inventent pas une complètement. Ce que je veux dire, elle est bien cette campagne là. Security door activation, ok. Je sais pas pourquoi, je sens venir l'entourloupe. Bon. C'est vrai, j'ai des mines, mais les mines, il faut que je les garde pour les tankers. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est vrai que l'IA est pas... Shit. Ouais. Allez, vas-y, mauvais tir. Ah, ça va être compliqué. Hein. Pouh. Bon. C'est bien. 3 sur 5. C'est reparti. Je devrais passer en agent. J'ai pas le skill de... Là, on est au niveau 2. Hein. Je vous explique plus tard, ça va être la mort.
Bah alors monsieur, vous savez pas ouvrir une porte de toilette? Ça a l'air compliqué la vie de garde. Hein. Oula. Ça a l'air compliqué. Tiens, je vais la fermer juste pour le... C'est quoi ce visage au travers de la porte? Oui, ça va être très compliqué quand je vais devoir protéger ma chaîne. En plus, elle est cote comme un malheur. Mais... Vas-y, je fais... Plus n'importe quoi, je crois que je peux pas, là. On peut pas gagner une partie en commençant comme ça, c'est pas possible. Ah, jungle. Oh non, je l'avais oublié ce niveau. Oh mon dieu, j'ai jamais arrivé à finir le jeu en 007. Enfin, en 00. Les autres, on en a foutre, ils voient leurs potes se faire démembrer, mais c'est bon. Tranquille. Bonjour. Et la visée auto, elle est où? Ah, vas-y, j'ai pas rechargé. Ah, en plus, je suis... Et le mec se repositionne. Il s'est pris deux balles, mais non, c'est normal. C'est le chef qui m'a tiré dessus pour voir si je tenais mon poste. Absurde. Ah, ça pique. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ah, vas-y, hop. Ah, mais oui, c'est... Mais je sais pas, est-ce que vous avez joué à Metal Gear Solid 5? Parce qu'au final, c'est un peu ça, hein. Quand vous allez maraver la tronche à un de vos gardes pour voir s'il est prêt au combat... Alors, ici il y a des. Il y a des pouilleux. Ah, visiblement j'avais pas fini avec les mécaniques. Non mais monsieur, laisse-moi rentrer. Mais. Oh mon dieu. Oh c'est périlleux. Oh là là. Bon, de toute façon, tout le monde sait que je suis là. On s'en fout. Voilà. Splash, 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 splash. Splash, 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 splash. T'es mort. Voilà. Là. Bonjour. Oh, il a fait le tour, le salaud. Bah si vous faites Metal Gear Solid 5 une fois, vous verrez que vous pouvez maraver les mecs que vous récupérez. Ah oui, le casier explosif, c'est vrai. Chérie, je vais au travail. Ah, n'oublie pas ton panier de dynamite. Merci chérie, je le mettrai dans le casier. Bien. Ah mais non mais... Oh. Est-ce que j'ai tué le scientifique? Telle est la question. Ah oui, d'ailleurs bon. Ah bah non. Est-ce que... Voilà, barre-toi. Scientifique qui s'est pris 3 balles. Oh, je veux partir, tada! Oh, merde! Alors, toi, tu dégages. J'ai la carte. Là, peut-être que je vais voir mon pote. Bah non, bah il est où?
Monsieur l'agent double, vous êtes où? Non mais Metal Gear Solid, alors j'y ai pas joué. J'ai vu des let's play et tout et ça m'a pas donné envie. Bon, ça c'était la merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Je gère. Tout va bien. Ouais, c'est à peu près ça. Ça s'appelle un mercenaire, ce qu'il y en a. Il est payé par tout le monde pour faire le sale boulot. J'ai le nez qui gratte, c'est une atrocité. Ok, j'y penserai. Non, monsieur, faut courir au milieu du couloir. Oh là là. Ces ennemis qui ont plus le respect des choses qu'on fait. Je dois tout faire moi-même. Ah bah ça s'est mieux passé que la dernière fois. Wow, il y en a un derrière. Donc je disais que j'allais me faire maraver encore une fois. Ah, c'est ça. Heureusement que j'ai jamais prétendu être bon. Hein. Mais il va où? Ah ok, ouais. Oui, forcément si c'est un jeu PSP. Une bonne console la PSP, mais avec de bons jeux dessus. Mais sérieux, y'a pas un... J'aurais peut-être pas dû faire ça. Y'a pas un gilet pare-balles quelque part? Allez, vas-y, trompe-toi de bouton. Monsieur, alors, y'a des règles, on tire pas dans les escaliers. J'ai dit on tire pas dans les escaliers, bordel. Mais j'ai toujours pas trouvé l'autre espèce de... Une version PSP qui tourne à 20 FPS. Oula. Mais j'ai vraiment le nez qui gratte. Je suis désolé si vous me voyez me gratouiller le pif, mais je sais pas pourquoi. Ils sont deux. Oh merde. Je croyais qu'il était seul, j'avais pas vu. PS3 et 360. Voilà. Sur PS3 et 360, il tourne à 60 FPS. Ok. Ok, ok. Bon, alors je suis vraiment pas bon. Allez, un dernier essai avant de passer en agent. Et je vais essayer un truc. Alors vous allez voir, le jeu va bugger un petit peu. Choix directionnel, ça c'est bon. Ensuite ça, raté. Ah, c'est de la merde. Euh,
droite. L, R, A, B, start, tac. Hop. 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 Donc là, normalement, je devrais avoir configuré le truc pour que ça fasse ce que je veux. Attention. Ah, bah voilà. Oula. Bon, c'est expérimental, on va essayer un peu comme ça. Ouais, ok. Alors, on va encore refaire un petit changement de menuing. La touche A, ça va devenir celle-là. La touche B, c'est les actions. On va regarder ça. Ok. Ensuite, je change d'arme. La touche R. Paf. Voilà. Attends. Ah mais je suis en train de viser là. Comment je dévise? Ah, j'ai bugué le jeu. Ah non. Attends, j'ai merdouillé le truc là. Attends, je vais essayer un truc. Hop, je recommence le niveau. Wouah, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Ah non. Mais je ne touche à rien. Oh là là, quel... Bon, on va rester sur du classique du coup. L, R, A, B, start, Z, paf, hop. Voilà, désolé, je setup à nouveau la manette parce que c'est pas ça que je veux. Parce que c'est de la merde. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, je sais pas pourquoi il a enregistré mes mouvements avant. On va confirmer. Faudrait que j'essaie de configurer comme il faut la manette parce que là ça va pas, mais
On va déjà essayer comme ça. Ah, je sais pas pourquoi il... Ouh là 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 là, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Hop. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, voilà. Est-ce que j'ai encore le... Non, cette fois... Heureusement. Voilà, pardon, désolé. C'était pas... Merde! Ah oui, forcément. Hop, voilà. Ça va mieux quand on fait les choses comme il faut. Ouh là là, ça pique. Voilà, petite minute. La porte me bloque. Mais c'est... On peut pas être agent secret et être aussi mauvais, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Y a pas des examens d'entrée. Il passe où Ah, il est là. Ne t'étonne pas d'avoir une porte qui se ferme juste sous ton nez, mec. C'est possible qu'il soit censuré, parce qu'en fait j'ai simplement la ROM que j'utilise, c'est l'européenne, je crois. Du coup, c'est possible qu'il soit censuré. Mais je crois qu'il y a un mode pour. C'est une option pour avoir du sang, non? Après, quand on l'aura débloqué, on pourra mettre le mode paintball. Ça, tout le monde pourra voir que je tire vraiment très mal. Arrêtez, arrêtez, on va pas se battre. Waouh là là, quelle visée de merde. C'est vrai, ouais. My name is Bond. James Bond. Bah ça marche, regarde. Je me suis moins pris de trucs dans la gueule. Je crois que c'est quelque chose de psychologique, les mecs qui se disent « Waouh, il y a James Bond !» Ils sont un peu tout pantois. J'ai entendu parler de vous, monsieur Bond. Toi, t'es pas mon contact, espèce de pruneau. Ouais.
Non. Ah, oh, c'est quasi explosif, bordel. Faut arrêter, jeu sponsorisé par Michael Bay. Et je sens que je vais me faire entuber. Alors, vous avez le droit de vous moquer. Vous pouvez, je vous donne l'autorisation. Parce que là, vu le niveau... Vite, suivons ce scientifique pour voir par où il sort. Il s'est évaporé dans les toilettes. En fait, il faudrait que je refasse tout le jeu en nageant, en petit poussin, pour que je me remette vraiment les patterns des ennemis et les trucs en tête, histoire de pouvoir vraiment faire de l'infiltration et pas juste du massacre. Je sais pas si j'aurai le courage de... Mais t'es pas mon contact, toi ! J'ai glissé. Essayer de faire ça bien et de pas forcément attirer. Raté. Monsieur le méchant, viens. Évidemment, recharger devant l'ennemi, ça lui prouve qu'on est zen. Donc du coup, il s'y met à douter de sa propre capacité à nous avoir. Prostrate. Va chier. Oh, toi t'avais vraiment une sale gueule. Bonjour. Ah, je vais finir par faire des headshots. Ça peut-être pas. Non mais de toute façon, je vais me faire dézinguer. Ninja. Merci, je ne mérite pas autant de compliments. Bonjour, je suis venu vous abattre. Ah, oula. Oui, alors, bon. Non, mais je lisais le chat, je faisais plein de trucs, c'est pour ça. On va essayer, hein. Je veux dire, quitte à être mauvais. On va essayer d'avancer parce que j'en ai marre de commencer dans les chiottes.
pas faire ça comme ça. En fait, je me rends compte que je lui tire dans l'arme. Ah, ah, vous êtes là, vous ? Ah oui, ça fait moins mal. Je crois que cet homme est bloqué par une porte. Est-ce que je peux le tirer ? Voilà, ça devrait régler ses problèmes. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à mettre le viseur de façon à ce que quand tu ne touches pas le stick, ça vise ton adversaire. C'est pas la pire des idées que j'ai jamais eues. Mais non, mais... Monsieur Bond, il faut lever le bout de votre pif. Ah. C'est moi en agent 00, il n'y avait pas du tout de... de gilet pare-balles. Je n'ai pas vu un seul. Alors que là, il est négligemment posé. Mais t'es mort toi! Oh là là! Ces personnages qui ne savent pas quoi ils sont morts. Mauvais jeu d'acteur. Ah non. Bonjour. Heureusement qu'il y avait une vitre. Ah oui, et tu récupères plus de munitions aussi. Oui, exactement. Mourir de façon crédible, ça c'est important. Ah, le mode agent 00 en fait, il est vraiment bien situé. Oula. J'ai pas mal. Parce que t'as vraiment tout qui est plus dur. C'est pas juste une impression. Mais à part ça, mon contact. Je sais pas du tout où il est. J'ai raté un truc ou. Je sais pas. T'es mon contact? Non. T'es mon contact? Changer d'arme. J'ai pas vu, mais tant pis. Piti piti. Je crois que tout au début, quand tu sélectionnes ta mission, t'as une description sommaire des objectifs. Et encore, sommaire, ça pourrait être un grand mot. Mais après, quand t'es livré à toi-même dans la mission, aïe, tu laisses tomber quoi. T'as rien du tout, t'as juste le listing de tes objets, c'est tout. Non, rouvre-toi la porte.
Ah merde, j'ai plus de... Ok. En même temps. Je pense qu'il se doute que je suis là. T'es mon poteau, toi? Mais non, t'es pas mon poteau. Alors, les objectifs. Bon. Pas grand chose. De toute façon, je suis obligé de le trouver pour arriver à la fin. Sera dans la partie laboratoire après, je pense. Mais c'est bizarre qu'il soit retrouvé tout au début. Est-ce qu'il est random au niveau de sa position? C'est possible. C'est possible. Allez! Oh là là! Arrête, tu me fais peur de survivre. Autre chose? Ah bah oui, visiblement oui. Non, les objectifs sont... Bon, la plupart du temps, les objectifs sont relativement faciles à comprendre. Arriver dans le point A, faire ci, faire ça, machin. Bah il est là, machin. Voilà, viens. Tu m'excuses, mais il y a des potes à toi qui veulent me buter. Il y a parfois 2-3 objectifs qui sont un peu cryptiques. Notamment celui avec le décodeur, de me mettre sur le truc au début, là, c'était... C'est pas toujours évident. Normalement il m'a donné le décodeur. Toc. Le décodeur. Et ça c'était un truc que je trouvais très cool. C'est que ça se fait pas automatiquement. Ça veut dire que tu dois quand même prendre le temps de sélectionner ton... Prendre le temps de sélectionner ton... ton objet et l'utiliser. C'est pas un truc, t'arrives devant, tu poses les machins, etc. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très bien. Je sais pas pourquoi je suis venu là, mais bon, lieu de garde. Alors bon, après, il y en a certains qui diront que tu peux te retrouver bloqué pour une connerie. Je dirais oui. Bonjour, traître de mes deux. Mais en attendant, c'était pas gratuit, dans le sens où... Y'a pas une histoire de mine? Y'a pas un truc avec... Je peux pas récupérer des mines? Ouais, et ouais, vas-y, hop. Alors, mettre les mines. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire le con. J'ai rempli tous les objectifs. J'ai un doute. Mais en fait, j'ai vraiment joué comme un gland avant. En agent 0-0, j'aurais dû mieux y arriver. Pif, pif. Allez, ça c'est la mission avec l'avion. Ça c'est cool. Je sais pas comment le tank va se manier, mais en tout cas j'aimais beaucoup cette mission-là. Je me plantais chaque fois parce que quand je tirais, je touchais l'avion par... inadvertance. Eh hey gros! Merci. Merde, j'ai à nouveau pas lu les objectifs.
Ok. Ça, je devrais y arriver. Non, mais c'est, il était honnête, Trevelyan. Pour l'Angleterre, bien sûr. Arrêtez avec vos calaches, les mecs. Je dois faire un truc là? Non. Je crois qu'il y a une mission très dure ou pas, en tout cas. Alors, comment on bouge déjà? Ouais, ok. Et puis... C'est le grenade à main, ça c'est le mieux. Ah, voilà! Est-ce que je peux viser? Est-ce qu'il y a un viseur dans ce machin? Là. Monsieur, faut y aller là. Merci, objectif B complet. Alors, on se dépêche un petit peu. Et voilà. Tada! Moi, c'est pas très compliqué. En agent 00, t'as deux objectifs en plus, je crois. Il me semble. Port d'une communication. Obtenir la clé, entrer dans le truc et voler les plans, ok. Le mec, on l'a largué là, mais c'est terrible. Et regardez-moi ces sapins. Vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Bah, c'est même pas quand il faut chercher des trucs et des machins, c'est juste que quand je joue pas comme une grosse merde, forcément ça va mieux. J'ai quoi comme arme? J'ai pas le sniper? Ah bah oui, bah voilà. Ouah, je crois qu'il y a un bug. Alors. On vise. On se baisse, on arrête de viser, on change d'arme. Monsieur. Voilà. Ah non, mais quand on commence à se rappeler un petit peu de trucs, ça va mieux. C'est surtout ça. Là-bas, il y a un pelé ou pas? Non. Oui, c'est ça, monsieur, faut mourir. Monsieur, tu t'es pris des balles. Tu triches. Ah. Vise-le automatiquement. Il n'y a plus de visée quand t'es à genoux. Vas-y, danse pour moi. J'aurais aimé te tuer plus vite, mais... Mais je suis pas bon. Voilà. Désolé. Là, il y a des grenades. Alors, la grenade, pourvoyeuse de mort de joueurs depuis... Puis le premier mec qui a décidé de mettre des grenades dans un jeu. La porte est fermée. Bah oui, bien sûr. C'est quoi ces soviets qui ferment leurs portes? Oh, c'est pas ça. Oh, mais c'est sapin, c'est l'horreur. Thank you.
Ah non, un jeu que je pourrais refaire aussi, c'est Turok. Mais là, je pense qu'on va vomir. Alors, on me tire dessus. Ah, là. Vous avez l'air détendu. Mmh. On continue à me tirer dessus. Est-ce que Turok est bien? Je peux pas dire non. Turok est bien, mais il est le 1 a assez mal vieilli, si je puis dire. Et le 2 est assez cool. Ah oui, cette merveilleuse arme. Moi, c'est des jeux que j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'arc. C'était un des premiers où il y avait un arc. Enfin, où j'ai joué, en tout cas, où il y avait un arc. Mais monsieur le gradé, faut mourir, là. Oh là là. Cette arme, c'est pas dégueulasse. Non, j'ai passé de bons moments à Turok. Ah, je crois que j'ai alerté tout le monde. Ah, ça c'est cool ça. Bon, mais je vais me suicider si je... Si je tire avec le lance-roquette... Je sais qu'il y a de fortes chances pour que je me tue. Vous voulez que je vous achève? Vous avez l'air d'avoir mal. Non. Shadowman 64. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un jeu que mon frère avait acheté. Bah vas-y, il n'y a pas de visée automatique là. Donc comme c'est pas un jeu que j'ai moi-même acheté, je l'ai pas entre guillemets platiné, hein. on va pas se mentir, c'est pas comme ça, mais je l'ai pas joué des heures et des heures. Ah, la grenade, est-ce qu'elle est armée? Oui, non. Mais ça me dit quelque chose. Bon, il y en a encore des pelés là ou pas? Oh. Cette neige qui marque les impacts de balles. Ah, mais attendez, j'ai chopé une clé. Mais j'arrive pas à me souvenir exactement ce que c'est Shadowman. J'ai recherché. Quoi, HP ou? Objectif B complet, très bien. Ouais, il y avait un objectif là-bas en difficile, je sais plus ce que c'est. Eh bien, c'est un objectif que j'ai maintenant. Bon, allons faire un tour. On visite, bonjour. Putain de porte. Bonjour, bonjour. Ce coffre-fort... Ah non, c'est bien l'objectif que j'ai maintenant. Ce coffre-fort qui est pas fermé. Tu sais, t'as un coffre-fort, mais tu laisses un petit peu la porte entrouverte parce que t'as oublié la combinaison. Bah, du coup, j'ai fait tous les objectifs. Ah non, je dois aller descendre les communications. Ouais.
Je crois qu'on me tire dessus. Je crois que ces gens essaient de communiquer quelque chose à ma personne. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, si, ça me dit quelque chose. Faudrait que j'essaye. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'est bien qu'il y ait un héros noir. Moi, je suis pour la diversité. Il n'y a pas que les blancs qui sont foutus de faire les cons, mais... je trouve qu'on met des héros noirs dans des situations qui sont pas forcément flatteuses. Là, on parle de vaudou, de tout le genre. Comme si avec eux, les noirs qui pouvaient... ouais, voilà. Donc, c'est bien, mais je trouve parfois que... Quoi, que c'est refusé. J'ai un... Merde, quel con. Save key. C'est pas la save key. Ah ouais, non mais bon, ok, oui, forcément, si je suis con, moi. Elle, rentrer dans le bunker par la grille de ventilation. Moi, je vais à la porte principale. Bonjour! Je vends des aspirateurs. Non mais arrêtez, vous pouvez pas me toucher. Je suis James Bond, j'ai un bouclier qui dévie les balles. Ah oui, c'est le grille de ventilation à 2 francs. Bon, vous pouvez peut-être me toucher parce que vous... Vous êtes où? Aïe. Ah oui, eux c'est des costauds. Voilà, bon j'espère que c'est fini. Ah, allez, foutez-moi la paix. Hop là. D'accord avec toi, mais si j'ai mort, pour te oui. Oui, non, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Mais bon, il faudrait quand même un peu de parité réelle. Enfin bref. Oui bah je vais peut-être pouvoir le. Je vais peut-être pouvoir faire ce jeu aussi du coup. Best time. Ah oui, visite 330, ouais. Ouais. Ah oui, c'est juste, il y a un objectif où tu dois pour débloquer un bonus, faire moins que le temps. Enfin faire le best time. Et c'est sur celui où tu dois protéger Natalia. C'est de la merde. Je crois qu'on l'a recommencé un mille fois quand on était. J'ai pas lu les objectifs pour changer. Moi qui me fous ouvertement de la gueule des. Oh, je crois que j'ai raté le coup là. Mais ils le font toujours, hein, les soviétiques. Bonjour, Béret Noir. Bonjour, lunettes de soleil. Bon, je vais quand même lire les objectifs. Détruire tout, oui. Copie la Golden Key, ok. Photographie, ok. Hey, je disais les objectifs de mission, monsieur. Oh. Hey, mourez. N'importe quoi. Bon, de toute façon, l'alarme a sonné. Hop, voilà. Bonjour. Bah, vous êtes censé. Yeah.
Ah, j'ai récupéré une carte de sécurité. Ah, un gilet pare-balles. Enfin, le gilet pare-balles, c'est évidemment pour éviter que je me fasse tuer comme une merde. C'est très surfait. Ah oui, Assassin's Creed 3, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus hein, de jeux où des Afro-Américains et d'autres gens, d'autres couleurs sont les principaux héros. Le problème, c'est que souvent, ça reste des stéréotypes. On a marqué les blancs aussi. Ouais. Ah oui, le DD-44. Je dois faire un truc, là. Je sais plus. Je sais que je dois prendre une photo. Voilà. Oh. Bon, il spawn pas à l'infini. Tu te prends pour qui, gros? Regarde, je crois qu'il spawn à l'infini. Alors, jouons comme un couillon. Première étape. Déjà, un, se faire repérer. Deux, bourrer dans le tas. Mais j'ai vraiment fait le con. Ah la vache! C'est bon? C'est fini? Y'en a encore? Ah, je devrais faire des lives. Apprendre à jouer comme un couillon. J'ai raté Boris. Je suis très désappointé. Oula. Ouais, je vais pas être dans la merde, moi, à force. Attends, ça, il faut que je lise quand même. Alors, sécurité, machin. Caméra. Voilà, ensuite il faut que je fasse. Qui a la visière? Do you not have the gold? Whoops. Est-ce que le jeu vidéo est un moyen de faire. Oh là là! De faire évoluer les mentalités? Alors je pense que d'une certaine façon, oui. Ça peut être un moyen de faire évoluer la mentalité tout en appréciant en jouant quoi. Dégarez votre cul, je passe, pardon, merde. Bon, j'ai joué comme une merde, c'était mérité. Bon, on va essayer de pas se maraver cette fois. Ça m'aiderait. Ah oui, j'avais pas de disrupteur. Non monsieur. Non, cette fois, j'ai prévu d'essayer de jouer bien. Je dois pouvoir avoir la caméra d'ici, je crois. Ouais, bah oui. Bah, tu sais, j'ai vu des vidéos de... Alors, évidemment, c'est des vidéos buzz qui sont faites pour ça. Mais de...
de policier américain qui... Qui ne lésine pas sur les moyens pour arrêter des gens de couleur. Qu'ils soient noirs, jaune, rouge, bleu, bref. Et du coup... Du coup, je me dis... que, au final, GTA, c'est peut-être un stéréotype. Ah, va chier! Non mais sérieux, cette visée de... Cette visée de merde... Non, tu peux continuer. Tu peux tout à fait continuer, je te rassure. Je jouerai mal que l'on discute pas. Par contre, je suis flatté d'être ton streamer préféré. Ou alors, en fait, tu t'es trompé de... T'es en train de regarder un autre live en même temps. Et tu t'es trompé de chat. C'est une possibilité que j'envisage. Merde. Monsieur, vous avez fait exploser une caisse, c'est pas bien. Oh. En fait, c'est cool, mais vraiment aussi. Je regrette juste comme une chose, c'est que t'as pas le petit coup de manchette automatique. T'arrives devant le mec, tu lui mets pas une petite batane gratuite de base. Ah mais c'est très bien. Même les live peintures. Oui, j'imagine bien que c'est différent. Oula. J'imagine bien que c'est un petit peu différent les live peintures de... du jeu vidéo. C'est un autre style. Arrête, oh là là. Monsieur avec le béret bleu. Je vais aggro de nouveau tout le monde. Allez, hop, c'est parti. Ouais, t'appuies sur le bouton en lui mettant une balle. Ça fait quoi si je bute Boris? Il est pas invincible lui. Alors hop. C'est à ce moment là où on aimerait avoir... C'est quoi? Vous êtes pas censé être... Commando tropelé, d'accord. Souriez.
Souriez. Ah mais il y a une caméra là. Oh là là. Bah vous pouvez plus me tuer, j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez pas, vous avez plus le droit. Rien à foutre. Ah merde. Ah c'est con ça. Ouais, il y a parfois des trucs bizarres quand même. Vas-y, je passe mission de 3 minutes. Monsieur, faut mourir là. Vous là. J'appuie sur tout. Hein. Attends, mais je vais quand même lire les objectifs parce que je vais encore me planter. Photographier le satellite. Merde. Obtenir les télémétriques data. Circuit, mini mission. Le satellite, c'était le truc du début. Le truc du début. Ah, attends, le truc là. Bon, bah, très bien. Bonjour. Vous allez décéder de décès. Il y aura des mecs derrière moi, tant pis. Alors, on va supputer que c'est ça le satellite. Voilà. C'est pas ça. Le mec il est en vacances. Mais Natalia c'est une fragile. C'est quoi le monsieur? Alors je sais pas du tout où je vais hein. Enfin si droit devant. Bonjour, 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 bonjour. Ferme la porte. Bonjour, 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 bonjour. Mais sérieux, il y a combien de personnes dans cette base militaire? Ah, c'est peut-être ça le satellite. Bonjour, c'est ça le satellite. Bonjour, bonjour. Le mec qui balance des trucs à droite à gauche. Hop, des petites cartes, hop, voilà. Alors, comme je résous un peu toutes les... Oui, mais c'est normal, elle s'est pas rendu compte. Plastique, ça me plaît. C'est pas ça le satellite, d'accord. Bonjour, merci, photo souvenir. Snapchat de l'époque. Ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Ah, ah oui, un body armor.
Ah merde, t'es pas mort toi. Je crois que t'as galusé, salaud. Il m'a feinté, c'est un italien. Ah voilà le truc. Ah mais non, mais il faut. Merde. C'est quoi ça? Oh putain. Bah de toute façon monsieur Urumov ça sert à rien, il y a un gars qui a tiré dans le truc, il a détruit. Vous avez engagé des cons. Putain de Russie. Oh ta gueule. Excusez, excusez, pardon. Excusez, excusez. Voilà. Merde. Mais oui, mais c'est l'autre con qui l'a détruit. Oh. Ça, c'est un mes gros problèmes en speedrun. C'est clairement ça pour parler. Parce qu'en fait, je ramasse tout en speedrun. Mais du coup, je peux pas faire de speedrun. J'arrive pas, je veux tout. Je veux tellement tout ramasser, il y a un petit bout que je le ramasse. Et du coup, bah, ça pose problème pour le reste. Bonjour, 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 dégage. Ah, ça, c'est pas moi. Ah, si les mecs ils tirent dans les trucs explosifs. Moi, je suis pour rien. J'ai ramassé, oui. Mais ça me sert à rien d'aller là. Ouais, sérieusement, le garde qui tire dans le satellite. S'imaginer quoi? Imaginez qu'il me tue, le mec il vient. Ouah, c'est pas bien de rester là. Non mais monsieur le chef, j'ai tué James Bond. Bon, j'ai pété votre satellite, mais il est mort. Vous me pardonnez? S'il vous plaît. Alors, vas-y, cache-toi bien, scientifique, espèce de lopette. Voilà, voilà. Oh, c'est beaucoup. Mais j'ai fini Zelda 3 en 3 heures. Non, j'ai fini Zelda 3 en beaucoup plus de temps. Non mais je m'en fous, il y a un gilet pare-balles. Merde, c'est pas assez d'étages. Non mais je pense que je vais essayer effectivement de... Mais... Pour Zelda, le problème c'est que... Oula. Il y a aucune catégorie qui m'intéresse. Parce que le 100% c'est chiant. Et le... Le speedrun N1%. Il dure une minute les brouettes. Où il passe, il archi glitch le truc et puis tout se passe bien. Ah, je vais quand même essayer une fois de le faire, voir si j'arrive à faire les glitchs qu'il fait. Qu'ils font, parce qu'ils sont plusieurs à le relire. Mais voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Là normalement je devrais avoir fini les. L'émission. Ouh, ça pue, j'ai oublié le truc. Bon. Ah, là. Cette fois-ci, on va... Non mais tout se passe bien. Hein. D'accord, on peut pas les faire péter. Ça.
Oui, bien sûr que tu peux créer ton propre objectif en speedrun. Mais... Oula. Le but, c'est qu'il soit partagé aussi par d'autres joueurs. Donc, si on fait 7000 catégories, c'est peut-être pas... Photographier le satellite. Optier. J'ai pas pris toutes les datas. Oh. Mais quelle espèce de bichon. Alors, petite caméra 1D. Hop, voilà. Clic, merci. Petit souris, voilà. Alors, où sont ces putains de datas que j'ai oubliées? Bah, de toute façon, je pense qu'il y a un peu toutes les catégories qui sont vraiment faites en speedrun sur Zelda déjà. Les catégories intéressantes. Ah, j'ai pas oublié celle tout en bas. Oh non, me dites pas ça. Ah. Voilà, c'est bon. Oui, on pourrait faire des trucs, c'est vrai, effectivement. Ah non! Ouh, je crois que c'était une grenade, je crois que j'avais des grenades. Bon ben... Bon. Non mais faut arrêter là, messieurs, ça ne sert plus à rien. Je suis en possession de toutes les données nécessaires. Ah mais je le dis pas en russe, c'est pour ça. Ta gueule toi là-bas! Ah, mais vous êtes... Je suis tombé. Le mec, c'est un peu... Non, mais excusez, mais j'ai vraiment pas le temps, là. Le temps de buter le mec quand même, parce que bon. Voilà. Ouais, mais le speedrun où faut tout ramasser, c'est un 100%. Oh, tu chacha. Enfin, où il faut ramasser tous les objets importants. Après, si tu dis qu'il faut ramasser tous les brubis qui traînent sur la map. Ouais. Oh, c'est très moche. Oh là là, je sais pas ce qu'ils ont fait à l'eau, mais c'est très moche. Oh là là, je vais vomir. Oh là là. Vite. Oh là là. Qu'est-ce que c'est l'émission? Sauver les otages. Désarmer la bombe. Désarmer... Ok, re la bombe. Et planter un tracker sur le hélico. Oh là là, l'eau verte là. Oh là là, elle est dégueulasse. Alors je vous ai dit hein, que ça s'émulait pas monstre bien. Ben voilà. Quoi, otage exécuté? Tire-toi, otage de merde. Mais qu'est-ce qu'il fait ce... Les otages? Quels otages? Pourquoi parlez-vous? Exactement, GoldenEye avec beaucoup d'algues dans la flotte. Messieurs, je vous demande un peu de tenue. Oh, merci. Bon, du coup, est-ce que j'ai fail le... Ouais. J'en ai relâché un, c'est fini. Ah,
Mais va pas te mettre là, espèce de con. Ah. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. En fait, c'est la Meuse. Non, elle est pas comme ça, la Meuse. Elle est pas verte. Elle est pas très propre, mais elle est pas verte. Ok, alors je dois avoir un truc pour désarmer les bombes. Attends, on va voir l'inventaire. Silence. Oh, bien. Ah oui, donc voilà, ouais. Mais non, ils ont battu. Oh là là. Alors. Donc, on va essayer de désamorcer ça tranquillement. Là, la Meuse, je la connais. Je la connais de Liège. Donc, du coup. J'ai pas suivi son cours tout le long. Ah, j'étais de l'autre côté. Bonjour messieurs. Inspection sanitaire. Je vois que vous ne respectez pas les conventions de Genève. Et je vois que, en fait... Je viens de m'enfoncer dans un mur. L'otage a été relâché et puis tué. Ce pauvre otage, il y a des trucs qui pètent au cul. C'est en Belgique. La Meuse. Ouais. Mais merde, j'ai cru que c'était un méchant. Mais qu'est-ce que vous foutez à tourner en rond, monsieur? Pourtant, ils sont en vert, les méchants sont en gris. Ouais. Un réflexe, j'ai tué des mecs verts depuis le début. Ouais. Je continue. Est-ce que la Meuse est en France? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bonjour, je suis pas du tout du bon côté. C'est possible qu'il y ait aussi dans le nord de la France. Je ne saurais dire. Non mais allez pas. Bon, l'avantage c'est que quand on leur tire dessus, ils butent pas l'otage. Ils viennent d'abord te chercher le mal et après on va. J'ai pas chopé un deuxième machin. Ah mais c'est ceux-là. Ouais. On jouait avec le silencieux. Ah, il y a une péniche échouée. Fantôme aura tout dit. Alors, j'ai désamorcé les bombes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Poser un tracker sur l'hélico. Et rescue les otages. Les hostages. Bonjour, j'arrive. C'est moi. Ah, très bien. Donc il me reste plus que le tracker sur l'hélico. J'imagine que pour être intelligent, l'hélicoptère, il est pas dans les sous-sols du bateau.
Ah, j'ai un peu bourré cette mission quand même. Bon, parfois ça passe mieux quand ça bourre en fait. S'il vous plaît, ne sortez pas ce que je viens de dire de son contexte. Est-ce qu'il y a des méchants près de l'hélico? Où est l'hélico? On va dire qu'il n'y a pas de méchants. Voilà. Puis maintenant, je fais quoi? Je retourne peinard au bateau ou... Enfin, à mon bateau. On dirait. Pas tomber dans l'eau. Ah, c'est tout, mais elle est tellement dégueulasse. Ça marche, pas de soucis. Mais du coup, t'es par où en Belgique? Ok. Ah oui, c'est cette mission avec le... Avec le brouillard. Oula, vache. Oula. Non, mais il est censé y avoir du brouillard, non? C'est un pote ou c'est un méchant? Pourquoi j'aurais des amis? Ah, mais c'est fantastique, t'es à Liège. Bon, bah, trop bien. Bah j'y étais il y a 3 semaines. On a fait un road trip avec 2 potes. Et on a fait un tour à Liège. Bonjour. Pas ça. Oh, bonjour! Putain! Mais attends, dans cette mission, je suis sûr qu'il y a du brouillard. Ah, c'est con quand il y a un bug comme ça. J'aime pas. Ah oui, forcément, c'est plus facile quand... m'arraver la tronche au mec sans prendre la tête, mais j'aime pas, je trouve dommage. Monsieur, une question? Une convention? Ouais, non, mais le mois de septembre c'est mort hein. J'ai été invité à Valenciennes le 18-19, mais malheureusement j'ai un truc professionnel et les autres week-ends c'est la fin du monde. Ouais, il est censé faire noir avec du brouillard, on est d'accord. Bim. Bon, ben voilà. Non mais là je vais vers le début là. Ah oui, headshot. Depuis la dernière fois que je suis venu, ils ont vidé toutes les baraques. Hein. Ils se sont dit, oh merde, il y a un mec qui est passé. Écoutez, on va mettre le minimum, ça dit rien. Quand on aura besoin de planches, on viendra même défoncer. Ah, attends. On viendra... Vas-y, que je me fais mal avec la caméra. On viendra même défoncer les baraques, mais sinon, non.
Monsieur, vous êtes mort. Merci. Respectez. Respectez la vie, mourez. Le mec, il me tire dessus, mais il est derrière moi, je pense pas, quoi. Mais Briscard, il y a moyen que tu fasses des trucs. Hein. Si t'es sur Liège, j'imagine que tu connais l'autre monde. Le magasin figurines, jeux de rôle, tout Bataclan. Et je sais qu'il a du briscard à l'autre monde. Bah voilà, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose briscard, au niveau briscard avec... je connais pas son nom, mais avec le gérant du... Bon, j'ai raté une clé de sécurité, mais je sais pas où. C'est la merde. Bah écoute, on y est passé justement en faisant notre petit tour. Il a pas grand chose non plus. Si derrière il y a personne pour pousser, forcément que ça se vendra pas. C'est-à-dire, si tu proposes un produit mais que tu proposes rien autour de ce produit, les gens ils achètent pas, ils connaissent pas tellement ce genre de figurines, etc. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça veut dire prendre un petit peu les... Je dois faire quoi déjà avec le truc ? Prendre un petit peu les devants et organiser tournoi, etc. Du budget, blablabla. Disable. Non, parce que je suis sûr que ça peut se vendre. Hein, parce que, je dois balancer la mine dessus, c'est ça ? Mission B complète, d'accord. Bon, j'ai pas la mission A parce que j'ai mis un peu... Bon. On va essayer de faire ça bien. J'en ai un peu marre de me faire prendre pour un dinde. Voilà, bonjour. Bon, la dernière fois que j'avais été, il avait l'air fatigué, le gérant. Donc voilà, il a peut-être pas envie non plus de... J'ai oublié une carte. Bah voilà, mais forcément, j'ai oublié la carte. De s'investir dans quelque chose où il est pas sûr que ça marche ou pas. Ouais, mais la communauté de fans, il va falloir qu'elle se crée. Donc la communauté de fans en soi, il va falloir qu'il y ait un début. Quelqu'un qui motive les troupes, qui fasse des démos, des initiations, qui lance le jeu. Et puis après, il y aura... Après, la communauté va se créer. Ouais, chez moi, si on veut quelque chose de différent, faut passer par eBay. Ouais, c'est ce qui arrive souvent, en fait. Parce que les gens... Les magasins sont un peu frileux. Bon, je comprends, hein, ils doivent vivre de ce qu'ils vendent. Donc ils peuvent pas, entre guillemets, gaspiller de l'argent à des trucs où ils sont pas sûrs de faire du bénéfice.
Alors, c'est celui-là où on doit utiliser la montre. Arrêtez-vous, je tire! Bah, je me suis arrêté, t'as tiré quand même, connard. Bonjour, Natalia. Bon, bah voilà les communautés. Ah merde, j'ai oublié la. Ok. T'es par où? Natalia, reste pas au milieu du jeu de reste pas au milieu du truc. Je suis la subtilité incarnée. Natalia, ça va vraiment pas le faire là. Une boutique spécialisée, c'est dur. Je veux dire, il faut vraiment être passionné. Il faut. Tu travailles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut. C'est compliqué. Pour l'avoir fait, c'est compliqué. Bon, je devrais pas tarder à mourir comme un kéké, là, voilà. Et cache-toi derrière le cadavre de ton pote mort, vas-y. Le problème du Québec, c'est que c'est tellement grand que... Shit. Du coup, t'es perdu au milieu de ton truc, et puis... Et puis, à 500 km à la ronde, y'a rien. Donc, créer une boutique spécialisée, c'est chaud. Alors en même temps, aussi, une petite ville au Québec, c'est combien de... C'est combien d'habitants? Arrête de me tirer dessus, tu peux pas me tuer. Ah oui, petite ville, c'est très relatif, tu vois. Ça dépend d'où tu viens, on va dire. C'est quoi ce mec? Aïe. Alors normalement messieurs, si je vais contre vous quand vous me tirez dessus, vous pouvez pas me toucher. C'est dégueulasse. Pardon Natalia. Voilà, c'est vrai. Oh la vache! Ah merde. D'accord, ok. Ouais, effectivement. Mais du coup, il n'y a pas une boutique qui vend des figues ?
Non, mais alors, il y a une différence aussi, c'est que... Hop, la clé. C'est que... la chaîne YouTube où il y a 1000 viewers, j'ai mis 3 ans à la faire. Voilà, 2 ans et demi. Et en soi, c'était pas mon gagne-pain, c'était pas ce qui me permettait de manger à midi. Ou de payer mon loyer. Si tu crées une boutique spécialisée, tu vas pas pouvoir le faire en... entre guillemets, en dilettante. Donc, t'es quand même obligé de, d'avoir un... Soit t'es financé, ou t'as un autre taf à côté. Et dans ce cas-là, tu peux le faire par passion. Soit t'as quand même des impératifs financiers à avoir, ne serait-ce que pouvoir, toi, manger tous les jours. Et payer ton loyer, quoi. Donc c'est pas la même. Je suis d'accord qu'il y a sur la chaîne il y a 1000 viewers, mais tu vas regarder la guerre au garage, ils sont à 5000 je crois, ou à 7000. Donc du coup... Et ils sortent une vidéo tous les 6000 ans. Oui, allons-y gaiement. Mais t'es sérieux là? Ok, je dois faire un tuto. Non mais je reviens en cellule, c'est bon. Foutez-moi la paix. J'étais mieux là. Mon dieu, il y a des mecs. Ah non, il y en a un qui s'est dit qu'on peut tirer très loin. Non, monsieur, c'est dégueulasse. Shit. Ouais, Briscard au Québec, ça va être chaud. Bon, j'ai joué comme une merde, ok. Mais Tandar, je suis aussi un... Je suis aussi relativement optimiste. Relativement. Seulement, voilà, il y a... Il y a une différence entre... Entre créer une chaîne YouTube qui n'est là, qui n'est que pour du plaisir et créer quelque chose où t'as un impact financier derrière important. Oui, oui, non, effectivement, faut comparer ce qui est comparable, mais du coup, c'est la même chose pour le magasin spécialisé et pour la chaîne, quoi. Je sais pas combien j'ai fait de rapport de bataille Warhammer avant de faire du bestiaire. Mais j'avais pas non plus envie de... J'avais pas non plus envie... Oula. Il a des yeux dans le dos. De faire que des rapports de bataille, je trouve qu'il y a plus à dire sur un jeu de figurines. Oh là là, les mecs, ne pas par deux, quoi. Je suis expert en arts martiaux. Je ne fais que des attaques. Je vais jamais y arriver si ça veut dire. Mais ça, à mon avis, ça a déjà plus de chances de fonctionner. Bon, je sais pas comment est la... Comment est perçu le Japon au Québec.
sais pas non plus quelle est la... Quelle est la densité de population, on va dire, japonaise au Québec, parce que peut-être qu'il y a... Enfin, quelle est la communauté japonaise, est-ce qu'elle est forte ou pas? Parce que si elle n'est pas trop forte, tu peux sans autre ouvrir une boutique avec des jeux japonais, tourner un peu Japon. Par contre, si elle est forte, la communauté, elle le prend un peu mal. Si toi-même, tu ne fais pas partie de cette communauté. Neuf vidéos dans la playlist sur un mur. Ah merde, vas-y. Hop, une petite carte que j'ai oubliée. Ce niveau est dégueulasse. On l'a déjà dit. J'y vais pas mal, merci. Ah ouais, bon, on a une petite lunette. Parfait. Non mais parfait, parfait. J'ai l'impression d'être en mode partout. Bon, tu dois aussi te dire que si tu commandes ton jeu japonais, il y a des chances qu'il soit moins cher que si tu l'achetais dans une boutique où lui-même devait commander, plus prendre sa marge, plus prendre son machin. Eh ben, c'est compliqué cette mission, mesdames et messieurs, c'est compliqué. Heureusement que c'était la clé de ma cellule. Hein. Bon, et puis avec la modernisation de tout ce qui est commerce online, ça doit aller. Alors, ils apparaissent à l'infini, je crois, que si l'alarme a été déclenchée. C'est le type avec les lunettes qui apparaissent à l'infini, je crois. Ah, arrêtez! Je suis innocent. Là. Mais, monsieur, vous êtes téléporté? Que se passe-t-il? Oh là là! Non mais il faut labourer cette mission, mais j'aimerais bien éviter de trop labourer. Parce que c'est un peu compliqué.
Bonjour. Ah, cette mission, elle est compliquée. Surtout quand tu fais le con. Oh, mais filez-moi des explosifs. Pas quand ils sont les uns sur les autres, parce que t'arrives pas à tous les toucher. Voilà, ça se passe déjà mieux. On va essayer de pas se faire alpaguer par une caméra à la con. Pas du tout la visée avec ce jeu. Du coup, je vais essayer de passer subtilement. Oui, j'ai osé. Encore fermé. J'ai osé prononcer le mot subtilement. Là, il y a notre ami là, notre ami là. Voilà. Celles-là, elles font des dégâts. Hein. En agent 00, ça fait très très mal. Vas-y. Ouais. Wow. Ah, j'avais pas vu toi. D'une subtile nullité. Ah, je l'avais vraiment pas vu. Mais je m'étais bien débrouillé, je trouve. Ça va, tu les veux combien de fois t'es? Bon, on va. On va laisser tomber un peu la subtilité. On va se dire que de toute façon je suis oublié parce qu'au point j'ai pas de chier de PV. Et donc du coup, mieux vaut que le. Oh là 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 là.
me faire canarder par un mec derrière moi. Alors, 35 mecs derrière moi. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Oula. Mauvais timing. Regarde la caméra. Mais cette visée est insupportable. Franchement, c'est très très désagréable. Bon, je me cherche un peu des excuses de sac, c'est vrai. Mais il n'y avait pas. Ah mais j'ai pas la clé pour ouvrir cette porte. Non, je suis coincé. J'ai voulu fucker le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'aura à l'usure, les gars. Voilà, donc, quand je vous parlais de la visée... Hein ? Butez-moi de toute façon parce que je suis mort. C'est un barrière. Bah ils ont raison, hein. J'ai tué toute une division, mais en attendant ils en envoient plus, ils finissent quand même par m'avoir. Les salauds. Oh ça arrache. Caméra de l'enfer. J'espère que je devais rien faire dans cette salle. Ouais, je me suis encore fait. Ah, mais il y a une caméra là aussi. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis quand même pas passé en agent. Faut arrêter de déconner. Tiens, des couteaux de lancer, ils viennent d'où? Non, non, vous êtes pas obligé de faire Genki-Dama. C'est gentil, mais... Le couteau de lancer, mais ils viennent d'où ces couteaux de lancer? Attendez, mais j'ai pas... Le jeu, il s'est dit, il est trop mauvais, on va lui faire un coup de main. Ah, ces couteaux de lancer de l'angoisse. Puis visiblement ça rameute tout le monde. C'est comme quand tu tires à la calache. T'as un bruit de couteau de lancer extrêmement...
extrêmement clair et précis, du coup ils savent qu'il y a un problème. C'est quoi ce truc? Oups. Mais monsieur, t'es mort là en bas, t'es censé l'être en tout cas. Il a perdu son béret, lui. Oh yeah. Yeah. Ah, mais... ah mon dieu, c'est tout à fait ridicule. J'adore. Non, non, mais faut arrêter de tout détruire. T'es pas déjà sorti, toi? Oh là là, mais c'est angoisse. Là, c'est la seule des ordres qui est en fin. Bon, ça va, pour l'instant, ça se passe bien. Vous pouvez pas tirer à travers une porte. Il y a que moi qui ai le droit. Tué par la caméra qui explose, c'est ce truc qui me... Je dois bien l'avouer, qui m'horripile un peu. Ça, c'était pas la bonne idée. Oh, mais prends le gilet pare-balles! Espèce de dinde. Aïe. Pouf. C'est compliqué. Alors, pouf. Sauver la miss. Ouais, c'est ça. J'ai capacité exceptionnelle. Esquive de balle. Donc, du coup, il y en a une là. Bien mise comme il faut. Attends. Exactement. Il y a une caméra Michael Bay qui m'a explosé dessus et du coup. C'est la merde. Alors, elle est où l'autre? Non mais les caméras russes, elles sont programmées pour exploser. C'est une programmation de défense.
Bon, alors j'ai fait un peu tout, je crois. Il me reste une salle où j'ai pas été. Et où je sais que je vais me faire repérer parce que la caméra c'est de la merde. Ah, si je peux l'avoir de là. Mais il y a la caméra là ? Ah, mais si. Elle est morte. Elle est morte. La caméra ça mord pas, mais. Et je crois que là aussi il y en a une. Ouais. Petit salaud. Parce que c'est comme c'est par là que je suis arrivé la première fois, donc ils se sont dit ouh, t'as plus une cam. Celle-là, allez. Voiture. Bonjour. Allez, viens. Viens des. Ils sont imperturbables. Et en plus, ils se prennent une balle dans la nuque. Rien à foutre. Nous sommes des soldats d'élite. Nous avons été entraînés à ce feu. C'est une caméra là. On me fait rouler par la. Ah, ils prennent des raccourcis. Oh là là. Oh, une cuisine! Ah, là-bas, il y a une caméra. Objectif C complet. Très bien. Bon, remettons-nous un petit peu les objectifs en tête, parce que je me souviens pas de tout. Ah ben, il me reste plus qu'à me foutre le camp avec, avec Josette. Là, du coup, je vais aller chercher Josette. En espérant ne pas tomber sur un dernier mec que j'aurais oublié. Allez, dehors, Mistinguette, on y va. Bah, elle est où, Micheline? Mais tu viens, tu vas par où toi? Oh là là, le petit pas en joggant comme ça, toc toc. Natalia, la pause pipi. Mais non, tu dois pas aller checker la salle de contrôle. Oh là là. Ah non, celui-là, mon dieu, contact Valentine, confronte machin. J'ai le. Mon fil de. Le casque audio qui est en train de partir en vacances. Ça, c'est de la merde. Merci. Bon, au bout de 25 fois, je vais finir par passer quand même. Je suis pas très. Désolé, vieux. Voilà, oh là là, 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 ça sent les bugs, ça.
Ça sent le niveau buggé. Je sens que je vais me marrer. Ah, j'ai perdu. J'ai des images. J'ai des pertes d'images. Là, ça va, mais avant, j'en ai eu pas mal. Peut-être que 60 FPS, ça vaut pas franchement la peine pour des jeux qui ne tournent pas à 60 FPS. Je pourrais réduire un peu sur le stream. Alors, il me semble que t'es dans un de ces containers rouges. T'es là? T'es là. T'es pas là. T'es là. Salut. Good evening, Mr. Bond. Ah, j'ai le jeu qui lag. Oh là là. Dépêche-toi, Valentine. Parle-moi. Parle-moi, je te dis. Oh là là, le niveau qui est dégueulasse. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. Ah, grenade à main. Bah voilà. Alors, la statue de Mr. Happy. voilà, les mecs ils arrivent, posez vos armes, blabla. Je sais pas comment. Good evening. La la la. Si je sors mon gun maintenant, ça pue. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai 3 minutes pour faire quoi déjà? Je ne sais plus. Bah, c'est 3 minutes pour revenir au début, non? Pas un truc comme ça? Aïe. Il rigole pas le shotgun. Hein. Oups. Ouais, bouton. Georgette, viens. Ah mais encore. Kaboom. Alors, ABC, il me manque un objectif. D'accord. Enregistreur de vol, très bien. Mais
Mais il est pas dans la baraque où j'avais été avant? Ah, je devrais utiliser shotgun. Ah non, il est là. Pif, voilà. Mais ce niveau est intéressant dans le... Je trouve que tu dois justement faire... enfin, trouver un contact, discuter avec, comprendre un petit peu... comprendre un petit peu ce qui se passe. Quoi, mission des fail? Qu'est-ce que j'ai failé? Ah merde! C'est moi qui ai buté? Oh non, je vais devoir me le retaper. Oh non, chier. Ah merde, ça va m'énerver ça. Allez, zou. Je récupère encore les munitions. Monsieur! Mais ils vont où ces cons? Bon, ben je crois que j'ai plus qu'à recommencer le niveau. Ah, Natalia! Toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah, ça, oui, ouais. Effectivement. Bon, ben, on se la refait. Allez. Et t'as vraiment l'impression d'avoir une vieille décharge. Mais en fait, c'est pas une décharge. C'est une... Reste au milieu du jeu. Ce serait plus une... un truc de sculpture. Une carrière ou quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut faire penser à une espèce de ruine autour de gens. Alors... Tu fais quoi toi avec cette grenade? Wow. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec cette grenade? Moi, ce qui me déprime dans ce niveau, c'est qu'il est dégueulasse. Et qu'en plus, il fait bugger l'émulation. Ça me déprime. Bon, vas-y, dépêche-toi, on a vu le film. Allez, grouille. J'ai vu le film, je sais ce qui se passe. Après, tu meurs, de toute façon. Allez, hop. C'est des temps étanches. Pouah, une balle au pied. Oh, merde. Merde, je vais le faire danser. Vas-y, danse. Danse, go. Ouh là là, ce profil de polygone. Ça, c'est pour mon bon souvenir, mon pote. Oups. Non, des ruines causées par la deuxième guerre, elles seraient pas... Tout ne serait pas aussi carré, tu vois. Je pense pas. Mais oui, c'est pas réjouissant comme colorimétrie. Mais vous servez à rien. Oups. M'en fous, tu mourras jamais. Est-ce que je peux bloquer le jeu? Non mais si je tire, il va me faire chier. Un petit tir là, paf, paf.
Allez, dépêche-toi, on a vu le film, on sait que t'es un traître. Mais pourquoi es-tu devenu méchant ? Parce que c'est écrit dans le scénario. Ah, ok. C'est écrit dans le scénario, alors tout va bien. Qu'est-ce que tu fais avec Natalia ? Des trucs, quoi. Mais là, j'ai plutôt envie de la mettre à côté d'un hélicoptère qui va exploser dans 3 minutes. Chacun ses fantasmes. Alors, on va... Voilà, tentage de changer l'arme. Au revoir. Au revoir. Mais vous êtes un clown. Un petit coup de shotgun tout le matin, ça, c'est pas terrible. Bof. Mais pourtant, Alec, tu es mon meilleur ami. Oui, James, mais plus maintenant. Oh mon dieu. Qu'est-il donc. Qu'ont-ils donc fait? Rien. Mais GoldenEye est un bon James Bond. Hein. Très classique dans son écriture et tout, mais. C'est un bon James Bond. Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a des. J'ai une leaking rat, c'est horrible. Il y a des James Bond qui sont mauvais. Oui, mais. Oui, parce que Sean Bean, ok. Effectivement. Et une fois de plus, il meurt. Oups. Allez, Natalia, on se dépêche. Tu vas être prise en otage, tout le blabla. Merci. Bon, alors je vais essayer de pas me merder là. Oula. Oula. La musique qui merde. Oh, il faut vite que je passe ce niveau. C'est l'horreur. Bah, il est là normalement, non? Ah, parce qu'en plus, il a une... Une localisation aléatoire. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, mais non! Mais je suis con! Ta gueule, José. Ouais, on a vu le film, mais on s'en souvient un peu, c'est pas ça. T'agonises, hein? Con, ouais. Oui, effectivement, il y a 2-3... Bah, je vais recommencer la mission. Il y a 2-3 incohérences dans Skyfall. Mais j'aime bien toute la quadrilogie avec Daniel Craig. Quand même. Même s'il n'est pas parfait. Oui, non, il faut pas les tirer. Ouais, je sais, il faut arriver désarmé, encore une fois. Le scénario désarmé. Ah, mais c'est quoi ce clic-clic dégueulasse? Bonjour, 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 décidez bien. Oula. Ouh, bon. Est-ce qu'on est capturé après, c'est vrai. Bah oui, mais bon, moi j'ai l'habitude de tuer les méchants, quoi. Ah non, c'est pas celui-là. Comment tu meurs pas, toi? Mais t'es sérieux, là?
aïe, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille. Aïe, j'ai mal, aïe, ouille, j'ai mal. Ok. Salut! Dis-moi ce que t'as à me dire ou je te bute. J'aime bien te tirer dans la main. Okay. Dépêche-toi! Pas du tout là. Je débrouillais pour me faire engager. Oh 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 oh. Mais ouais, ça va. Pour me faire engager pour un doublage d'un film. Ouais, ok, alors ça, c'est officiel. Donc c'était officiel, j'annonçais que j'étais perdu, mais j'ai réussi à me retrouver. Mais il y en a partout de ces espèces de. De pecnorus. Allez, on... Oh putain. Ah, j'ai pas trouvé de grenade. Salut, Alec. Est-ce que je peux mettre un coup de matraque? Merde! À chier. Décidément, je veux le finir vite, mais je veux pas. Hein. Peur de la réussite, tout ça, tout ça. Tout ça parce que je m'avançais pour le prendre dans mes bras, parce que j'étais ému. Oh, genou. Bon, allez, cette fois-ci, je le fais sérieusement. Alors, bim. Sean, bim. Mais t'es pas mort, toi? Non, mais... Oh, arrêtez de revenir, les amis. Je vais pas lui tirer dessus, je vais le tuer. Bonjour. Je crois qu'on vous a un petit peu maltraité quand vous étiez enfant. Vous êtes tout déformé. Est-ce que c'est normal? Vous avez un corps énorme et une toute petite tête, monsieur. Ça va? C'est sûr, vous avez une tête de la taille de vos poings. Je ne stresse absolument pas. Tout va très bien. Je lag. C'est pas votre connexion, c'est moi là. C'est le jeu. Merde. Salut Alec. Bon bah je vais en profiter pour me servir un verre. Que ce que tu me dis, je m'en fous. Vu que j'ai merdé le scénario 35 000 fois, voilà.
Et n'oubliez pas, hein, demain 14h, on finit Zelda. Et après, je passe sur un autre jeu. Et il est parti où le monsieur? Je l'ai pas fait, il est... Bonjour. Mais non, mais faites le tour, le mec. Oh mon dieu, un roux! J'ai pas le temps de m'arrêter. Hein. Bah si, finalement. Non mais il souffrait, fallait l'abattre. Ce shotgun de précision. Allez, debout, Pépeille. Oh, ces barreaux qui sont flous. C'est dégueulasse. Enfin bon, en même temps, pour l'époque. Pour l'époque, je pense que quand même ça, c'était dégueulasse. Mais... Monsieur de la roulade, tenez, voilà. Allez, hop. Parce que là, tu vois rien. Normalement, tu dois les voir, les machins, pour te dire, tiens, je vais peut-être pas faire le con, ils sont beaucoup. Mais oui, c'est très bien. Mais non, vous n'avez pas de questions. Ce n'est pas les droïdes que vous recherchez. Quelle classe, quelle élégance. J'ai pas lu. Ah, Saint-Pétersbourg. J'aimerais bien, mais il n'y a pas de bouton pour dropper l'arme. Je suis vraiment désolé. Je suis nouveau. Donnez-moi un tank et une cible. C'est top que ça, oui. Alors, filez-moi plutôt une arme automatique et une cible. Oh. Ah merde! Casse-toi! Ah bah voilà, là on s'est parlé. Là on peut entamer une discussion sereine. Bon, je suis
Les caisses Michael Bay, on n'oublie pas, ça explose. Et sus. Oh la vache! À la limite, ça exploserait, on s'en foutrait, mais ça tue surtout. Et normalement, en bas, il y a un. Ah, en fait, j'ai fait le con. Parce que je crois que les mecs ils partent bien. Hein. Monsieur, vous pouvez pas tirer au travers des murs, c'est pas du jeu. Non mais je me moque aussi de streamers quand ils... Non, c'est pas là. Je me moque aussi des streamers que je regarde quand ils lisent pas, mais en fait, en stream, c'est... tu peux pas vraiment ou t'as pas vraiment envie de lire parce que t'as envie d'avoir de l'action pour montrer aux gens, alors que si tu voulais faire un truc un peu de qualité je prendrais vachement plus de temps déjà, j'irais pas bourriner un peu comme je le fais là. Mais non, parce que je veux vous montrer de l'action. Passe des trucs à l'écran. Ah là là. Bonjour. Mais non, c'est pas là. Oh là là. C'est pas là non plus, je parie. Si, c'est là. Oui, c'est vrai que je pourrais prendre mon temps. Au moins le temps de lire les objectifs pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Oh, mais arrêtez avec votre petite pétoire à deux balles. Aïe. Ah, petite pétoire à deux balles. Oh, mademoiselle, il faut pas courir partout non plus, hein. Que je veux bien sauver votre cul, mais elle est où? C'est pas cette mission où il faut passer par une fenêtre? Ouah, je fais n'importe quoi. Mais j'ai pas fait la moitié des objectifs, c'est pas possible. Est-ce que j'ai pas... Ok, d'accord. Bon. On va la refaire. Cette fois-ci, un petit peu plus doucement. En même temps, pourquoi est-ce que vous me laissez une arme devant moi, bande d'abrutis? Bla 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 bla. Ah bon. Ça se passe pas bien, les gars. Thank you.
Wow, ça se passe vraiment pas bien. Bon. Oui, à prendre son temps, ça légitime que dalle. Hein. C'est quoi mon premier objectif, en fait? Parce que j'ai peut-être un truc avec la montre. Voilà, mieux quand même. Tire au travers, mais moi pas. Très bien. Quelqu'un? Ah, j'ai entendu Schlouk. Non, pas Boum Boum. Ah mais c'est tout fond mal c'est con. Oh là là. Ok. Non, si je veux pas lui faire ça. Non, pardon, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Charger alors que tu sais pas si y a quelqu'un. Bon, c'est fini là. Ben, en même temps, est-ce qu'ils sont pas infinis les mecs? Ça, c'est possible aussi. Bonjour messieurs, vous avez rien évidemment. C'est pas là où je voulais aller. Euh...
ici finalement. Il y a 18 ans. Bon, je vais finir cette mission et après. Bah, du coup, demain, si j'ai. Si j'ai fini Zelda, je finirai GoldenEye. Enfin, j'essaierai de finir GoldenEye. Oui, effectivement, la population mâle de Russie va drastiquement diminuer. Bon, à part ça, je suis perdu, là. Mais elle est où, Miss Tinguette ? Oh là là, c'est gonzesse. Okay. Ah merde, j'ai nous tué le monde. Pauvre débile tout. Bon, bah cette fois-ci on va essayer de pas le tuer cet abruti. Mais ils attendent très poliment que. Une fois qu'ils se sont pris une balle dans le poignet, ils se réveillent peut-être un peu les mecs. Pas tout de suite par là. Les grands espaces, c'est dangereux. Alors, j'aimerais que la caisse pète. Sincèrement. Voilà, merci. Oh, putain. Bon, si je remeurs, je finirai ce niveau demain. Ça commence à se faire un peu tard. Peut-être manger un petit peu. Ouais, bien.
Mais alors, planton, qu'est-ce que vous faisiez là? Attention, 3, 2, 1. Et on ne tue pas l'intérieur. Oh la vache. Je sais pas ce qui a pété, mais ça pique. Bon, eh bien, sur cette défaite, moi je vais vous dire une bonne soirée. Et à la prochaine. Donc demain, 14h, finir Zelda 1. Et après, si on a encore du temps, finir GoldenEye. Voilà. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.